Eh mais non, je peux pas rentrer. Combien t'as mis de joueurs dans ton truc? Oh, 16. Ah oui. Bon, je repars de zéro, je ferme tout. Fait. Ça change rien vraiment, c'est juste pour limiter le nombre de joueurs. Mais alors, pourtant tout est bon là. Non, si mes 4 joueurs et qu'on est 5, il y en a un qui va pas rentrer. Hein. Serveur Baf Dusty. Jusqu'ici tout va bien, on est 3 sur le pont, il n'y en a pas encore un qui a explosé les Fab, deux autres. Fab en minuscule. Tout à fait. Bon. En même temps, la dernière fois qu'on avait essayé avec ta coude de tapis, on était combien? On était 15-16. Hey, tu sais qu'on est trop lourd avec le truc de base là. Hein. On est à 31-386 au lieu de 31-086. Moi j'avais mis autre chose, ça passait bien, mais c'était du laser, donc on va peut-être pas faire ça pour ça. Ah ouais, non, mais sinon il suffit de supprimer le canon. Ou le pod de CM. Hein. Ouais. Et si on retire le pod de CM, ça va, il faudrait que je le modifie. Mais... Moi j'ai pris la conf PGM2 et je mets des sidearms au lieu des AM9. Bon, je peux pas rentrer. Ok, bah va sur Flappy, je chercherai après pourquoi ça marche pas. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. J'ai une adresse IP, si tu sais, tu la connais, dis-moi si c'est ça. 77-153. À qui tu parles? À toi. Ah mais t'as trouvé la partie, c'est bon. Hein. Il y a besoin de... Juste que je mais pas je peux pas si rentrer. Fait oui, bah va sur Flappy. Il y a besoin de faire ma j'ai arrêté mon serveur. De sidearm non. Non. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai mon nick qui s'approche de plus en plus de Flappy. Ah devant, ouais, ça, non. Devant ça bouge là, ouais, ça ah, crame, merde, ça merde, tu flambes, ouais. Ah, fais chier. Ah, tu t'es déjà éjecté de ton avion? Ouais, j'ai des coups du coup. Ah bah t'as bien fait parce que je crois qu'il... Ah, merde, il y a un autre avion qui est... Non, je viens de respawn. Non, mais il y a un autre avion qui a respawn derrière toi. C'est moi, là. Ok. Bon, flap sorti, je vais essayer de faire un décollage très vite, mais alors j'ai peur. Bah, alors, donc l'angle est 90 degrés, j'ai sorti les volets en mode stall, je vais mettre l'eau en mode take-off. N'hésite pas, tu fous les gaz à fond. Ouais, je vais faire ça. De pas, Allez, hop, c'est parti, gaz à fond. En fait, ce qui est bien, c'est que... Étudier à zéro. Après avoir fait... Vous êtes le maillon faible pour hoster le serveur. On est en train de faire. Vous êtes le maillon faible pour le. Ouais, c'est pas mal ça comme être décollage. Pour le décollage, on arrive. Non, ça, c'est moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Non, ça passe, mais c'était. Papa Gage, je suis cockpit. Allez. C'était très chaud. Ça marche, c'est bon. Bon, allez, la PU. L'oxygène. Bon, messieurs, bon courage pour le décollage. Alors, pour le décollage, justement, parlons-en. Donc, tuyère à 80 degrés et quelques. En fait, le but, c'est que tu fais entre guillemets un faux vertical take-off. Le but c'est d'augmenter tes gaz en fait, parce qu'il faut que tu aies réellement le plus possible de pistes pour faire quelque chose. D'accord, donc je suis en. Donc tu es à 80 degrés, tu me dis. Je suis en stall pour les volets, d'accord. Et t'es en. Je mets de l'eau. Je mets de l'eau. Voilà. Ok. Je le sens absolument pas. On va pas se mentir. Et en fait, dès que. Donc, une fois que t'es les gaz, tu balances les tuyères vers l'avant, enfin vers la pour avancer le plus possible. Ouais. Et une fois que t'as fait ça, tu avances et dès que tu sens que tu vas quitter le pont, tu passes tes tuyères à 60 degrés. Ok les gars. Bon. Ah oui, c'est technique. Hein. Non, bah, je pense que je prends la place pour celui qui va pas arriver à décoller. Alors, sinon, ce que tu fais, si tu vois que t'as du mal, t'as peur d'avoir du mal, tu retires les bidons de carburant. Ouais, mais on en a besoin ou pas?
Disons que tu peux aller te ravitailler sur un aéroport pas très loin, au pire. Ouais, bon. Au pire, t'en as pas besoin. Eh, j'y vais. Eh, ils sont jolis les poissons. Hein. Ouais, j'ai vu que c'était chaud là. Ok. Allez, décolle. Ouais, vas-y. Ouais, c'est laborieux. Hein. Voilà, là tu mets, une fois que t'as un bon régime moteur, tu remets les cuillères toutes droites. Droite ? Oui. Pas à 60 ? Non. Toute droite, le but c'est que tu gagnes le maximum de vitesse. Ah mais putain, je... Ouais, d'accord. Et dès que t'arrives... Finir... Mais par contre pas sur le côté parce que t'as ouais, pas beaucoup bah, de fils. Ouais, bah voilà. La force, le but c'est que, en fait, c'est que tu sois le plus rapide en sortie, en bout de piste. Ok, bon ça c'est fait. Bon, ce qu'on va faire c'est que ouais, je vais aller jouer au maximum les gars, ça va être beaucoup plus rapide. De toute façon il y a tous les aéroports hein, de ce côté là qui sont à nous, hein. Donc au pire... Ce que tu peux faire c'est virer les deux bidons et le ouais. Canon, ça devrait le faire. Et puis le pod ECM aussi va dégager. Oui, c'est vrai qu'on va pas spécialement avoir besoin, je pense. Par contre, c'est bien, je révise à fond le ROM start. Je pourrais le faire les yeux fermés. Hop. Tiens, je vais me poser sur le Stennis. J'ai ah mais je sais pourquoi j'ai voulu foutre les volets moi. Oh merde. Fais gaffe hein, t'es très lourd Flappy là. Ouais. Bah là, ils se posent jamais... Ils oublient jamais un truc de brancher un fil Bah si, mais je pense qu'il faut au moins que tu dumpes ton carbu. Tu crois? Bah non. Allez, je le tente sans. On a pas besoin du Stennis de toute façon. Si, y'a pas gaffe dessus. Ouais non, je vais pas faire le con. Papa Geff qui essaye de démarrer, bon pour l'instant ça se passe pas trop mal. Mon radar, mon... Alors... Là, je fais... Oula. Non. Il y en a un qui va se croûter dans l'eau. C'était limite. Et à un moment j'y ai plus cru. Ensuite alors, moi touche Y. Je vais monter sur la page à vite fait. T'es à 0 en RPM. Bah oui, normalement, oui. Alors, est-ce que t'as pas avancé à manette des gaz? Y. Si. Peut-être un peu trop tôt. Ouais. Alors, du coup, tu vas voir, t'as une manette sur le bord externe de la manette des gaz, enfin, le plus loin du corps de ton pilote. Ça s'appelle. Et en fait, c'est un truc qui se soulève et qui permet de remettre les gaz en position off. C'est bon. Ok, allez, c'est reparti pour 30 euros. Donc, non. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je crois que... Donc, je dégage, on a dit, les deux bidons. Ok, hop. Et le CM. Ok. Alors on va passer au plan de vol. HS. Bon, surtout tu recules pas, hein, Papa Gaff, il me fait peur le parking de FA18 sur Stennis. Ah, moi je trouve que c'est ultra dangereux, il suffit qu'il y ait un peu trop de joute. Oh 3, 4, 9, 10. Non, pour l'instant j'ai les cales, le frein à main serré. Ah ouais, mais moi je trouve que c'est quand même ultra flippant. Hein. Je trouve pas la petite manette dont tu me parles pour remettre le gaz à zéro. Je sais pas, je regarde si ça part un autre. Oh là là, qu'est-ce que je viens de voir passer là. Alors. Ça fait
F8. Calador ou F4. Hein. Ding. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, je suis en train de rechercher. C'est quoi coup de coude? Voilà. Écoute, je connais même pas le raccourci. Je suis incapable de te dire c'est comment bon. Ça s'appelle. Pestel. Bon, tu sais quoi, je vais faire un. Je vais recommencer, c'est pas grave. Non, il faut réellement en fait que tu avances ta manette des gaz quand les moteurs sont lancés. T'es à 92 en RP. J'ai peut-être fait trop tôt, ouais. Bon, elle est où la fatale culte? La voilà. Je la vois. Tu t'alignes sur la catapulte, c'est ça, Papagef? Oui. J'ai jamais vu encore sur Stannis. Ah bah ça marche mieux. Ah, on va voir. J'oublie pas de déployer mes ailes. Ah oui, effectivement, c'est. Ouais, parce que ouais. Maintenant elles sont pliées d'office, apparemment. Ouais. Non, mais ça, apparemment, il faut les déplier que quand t'es prêt à décoller, quoi. Pas avant, parce qu'il y a des appareils qui sont à côté et tout. En règle générale. Non, ça veut pas. Bon, moi je suis paré, je regarde. Sinon. Ah, si, sinon, tu fais comme Schmout et tu. T'allèges à mort ton. Ton appareil. Bon, je vais essayer, c'est parti. Ah merde. Ah. Ouais. Donc, voyons voir comment. Qu'est-ce comment que le rolling, on part sur quoi? On part sur 30 pour les tuyères et on passe à 70, non? Pour un rolling vertical. 0. En fait, tu fais 90, 0, là tu pars vers l'avant avec les gaz à fond. Ouais. Et quand tu vois que tu vas quitter le pont, tu les mets tout de suite à 60 et tu maintiens les gaz à fond. Après, tu rentres tout de suite les trains dès que tu as quitté le pont et après tu pries et tu tires pas trop sur le manche. Pour décoller, vous mettez les roulets. Du poids maximum quand même. Je dis ça, je dis rien. Nicolas, bah, pour on a lâché du lest. Hein. Moi j'ai changé ma conf, hein, personnellement, parce que c'était un peu trop lourd. Pour décoller, tu mets les volets en auto, en half, en... Alf. Ah oui, les volets, vous avez configuré les volets, les arrières en... Ouais, en stall, ouais. Stall. Ouais, je suis en stall, ouais. Stall, ouais. Et l'eau en take-off. Ouais, pareil, ouais. Les deux, hein. Faut mettre les deux comme ça. Ah ouais. Bon, là, ça doit être machiné, je me mets en nav, voilà, que j'allais oublier. Bon, le reste... Mais au début, je vois pas pourquoi on se met à 80. C'est. Parce que, en fait, c'est le temps que t'es monté en monte. Sans faire avancer l'avion. D'accord, ok. Ça marche. En fait, l'avantage quand t'es à 80-90, c'est que tu peux être gaz à fond avec les freins, tu ne bouges pas parce que t'es trop lourd pour faire du vertical take-off. Ça. D'accord, ok. Voilà, tout est éteint, tout est bon. Alors que s'il m'avait mal dit. Voilà. Bypass en position centrale. Bypass, ouais. Les objectifs nous attendent, Nico ou... Oui, oui, oui. Ça marche. Oui, celle-là, j'avais prévu. Alors. Vous pouvez passer 48 minutes à faire du décollage sans problème.
Après, de si, hein, si t'es trop lourd, vire tes bidons. Déjà, tu vas voir, tu vas gagner un poids fou. Allez, les bidons, ils vont me servir. Je décolle. Mais moi, je te conseille pour décoller, tu mets réellement gaz à fond. C'est ce que j'ai fait. Et les objectifs, ils sont situés où alors? Ils sont situés de l'autre côté de la corne. D'accord, ok. À l'est de la corne. La corne, ça marche. Si, ça tu, marche. Si tu te mets en vue F10, tu cliques sur toi-même, tu as t'as tout le tracé qui apparaît. D'accord. Alors. Je sais de voler information avec Papagev. Alors, Papagev, cap altitude, s'il te plaît. Pardon, quelle altitude? Cap et altitude. Alors, attends, 2 secondes. Que je me règle tout ça. Voilà. Cap. Unité 00 pour l'instant. Là, bon, je vais à unité. Unité 0. J'ai pour entrer le train parce et altitude 4110 exactement. Copie, je te tâle. Stabilisé. Et petit à petit, t'essayes de passer les tuyères de plus en plus horizontales. Hey, je vois les poissons quand même. Hein. Ouais. Putain, ça y est, je suis parti. Allez, lui. Ah, c'est super chaud. Hein. Juste sans les canons. Les trains. Ouais. Les trains, c'est la première chose qu'il faut que vous rentriez parce que c'est ce qui a le plus de prise aérodynamique. Et en fait, quand vous avez les trains sortis, vous avez l'aérofrein qui est sorti en même temps. À peu près. Là, je me mets. Là, j'enlève la flotte. Je me mets au définitif, je te le donnais. Et pensez à mettre les flaps en auto aussi. J'ai bougé mon altitude. De Flappy, moi je me mets sur un cap est, hein. L'objectif est sur un cap est, plein est. Et pensez également à passer du coup votre HUD en nav au lieu de Vesto. C'est comment ça? À gauche de l'écran de gauche, au-dessus du Master A. Il y a trois diodes en fait qui sont clairement indiqués. C'est vrai. Et important, si vous voulez configurer les armes, il faut bien passer en air to ground, sinon vous n'y arriverez pas. Vous aurez beau être sur la page STRS, ça ne marchera pas. Voilà, donc je rectifie. Altitude 4260. Pourquoi il monte lui? Là, voilà. Je suis calé. Et cap. 08 05 Ouais. 080 ouais. Moi 0,85. Je vais vers le nav 1. C'est ça. Oui. À 90. Ouais, plein est quoi. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais 90 même ouais, c'est vrai. Et pensez à régler le bingo également. Ah, le bingo, j'ai pas mis le bingo. J'ai mis 1800. Je l'ai mis à 1500, moi, mais après. Tout en plus short, 1500. Moi, je l'ai mis 3000. Hein. 3000 ouais. Ah ouais. Bon, on sera pas à côté des bases non plus, donc. Ça marche. Quelle attitude? Pour moi? Bah, je sais pas. 4370. Personnellement, je suis à 10000, je vais monter à 20000 histoire d'être tranquille par rapport à. Je monte à 20000 aussi. Dans le bingo, fuel 20000. L'arrière monte assez vite, hein, mais là on est loin donc c'est pas la peine de bourriner en montée. Je monte à 5 degrés moi. C'est bien, c'est clairement indiqué dans le HUD la montée en degrés. Bon, ensuite je mets mon master arm. Ouais, j'aurais été. Oh, t'as toujours pas les tripes réglées. Chier. Dans le foutre en chandelle, hop. De quoi te sers les trims sont pas réglés. Configurer, tu veux dire?
Non, mais de toute façon, t'as un maintien de... Air sol. Un maintien de manche. C'est... De mémoire, il est un peu pénible aussi, donc... Ouais. Bah ouais, faut le mapper, hein, parce que moi je le fais au clic et c'est super chiant, mais ça se fait. Donc pour les arrières, si vous voulez aller au plus rapidement sur votre waypoint, normalement vous avez une flèche en haut du HUD. Et si vous n'êtes pas en face, elle est décomposée, il y a un trait vertical, un petit trait vertical, et il y a un petit triangle, un petit chapeau. Donc le chapeau, je crois que ça indique le vrai cap qu'il faut prendre. Et le petit trait, c'est le cap de l'avion, si je dis pas de bêtises. Ah oui, tu veux dire qu'il y a deux vecteurs... Ouais, et si vous superposez les deux, ça fait une petite flèche qui va vers l'avant et qui doit pointer à peu près vers 0,9. Qu'est-ce que je veux dire pour l'armement? Quand on se met en air-sol, est-ce que sur le plan de navigation, il y a la position de l'objectif? Non. Alors c'est un visuel? Oui. Et c'est à quel waypoint? Entre le 1 et le 3. Il y a deux convois. D'accord, merci. Les arrières, si vous êtes OK en nav, il faudrait penser à armer vos bombes et puis passer le Master Armon. Ça marche. Oui, parce que de base, les bombes sont en safe. Du coup, bah, passer déjà le Master Armon. Ensuite, il faut aller dans le menu STRS. Là où vous voyez ce qu'il y a sous les ailes de l'avion. Il faut passer en mode Air to Ground. Donc, il faut quitter le mode nav, passer en mode Air to Ground. Ça, c'est à gauche. Et là, vous sélectionnez les bombes que vous avez. Normalement, elles sont sélectionnées par défaut, je crois. Et en bas, au-dessus du bouton de Jettison, vous avez Auto à gauche, et à droite, vous avez Fuse. Par défaut, il est à Safe, il faut le mettre en T-In, par exemple. Enfin, il faut le mettre en tout sauf en Safe. Ouais, c'est ça. L'autopilote, il est pas sur la manche? Non. Ah, attends, je te donne le nom. C'est dans Stability Augmentation and je sais pas trop quoi. Un autopilot, ok, ouais. Ça s'appelle Automatic Flight Control On-Off Toggle. C'est de base le A. Et après, t'as Altitude Hold On, enfin On-Off Toggle, touche H. Donc il faut d'abord faire le A et après vous pouvez balancer le H. Flappy stabilisé 20 000 pieds, cap 0,85, je corrige 0,9. Je suis à 85 miles du waypoint 1. Quelle vitesse, Flappy? 411 nœuds, je vais réduire à 400. Ça marche. Donc pour Papaguef sur son F-18, pour l'armement, donc j'ai mis la page Storage, ouais. J'ai mis le bouton Arme, sur sa position Arme, et j'ai appuyé sur AG, voilà, c'est les bombes air-sol que j'ai. Oui, il faut que tu les... Et je les ai sélectionnés, voilà. 82B, c'est... J'ai le l'emport 2 qui est sélectionné. Voilà. C'est ça. Et c'est bon. Et il me met ready. RDY. Voilà. Donc après, j'ai plus qu'à passer sur mon objectif et appuyer sur le bouton. D'ailleurs, pour les arrières, je vous conseille de passer les bombes en CCIP. Mode CIP. Hein. Ça marche. Moi, je tout passe. Je mousse stabilisé à vanille. Alors, tu me dis de faire des trucs là, si tu veux, c'est mystique pour moi encore. Alors, si j'ai choisi 82.
tu mets un peu d'herbe dedans et tu mets des munitions de couteau. Ça va être beaucoup plus simple après, ouais. Alors, non, tu passes en mode air sol déjà, ouais. Sur les trois diodes qui sont à gauche en haut là. Tu passes en mode air sol, air to ground. Donc, j'ai choisi mes 82. Tout à fait. Ouais. Et sous l'écran de gauche, t'as des trucs avec des petits. Non, t'as mode AUT en dessous. Ouais, ouais. Et juste à côté, t'as Fuse T-In. Donc, ouais. Fuse, tu la laisses en T-In et mode, tu dois pouvoir le passer en CIP. Avec le gros switch qui est juste en dessous. Ah, en CCIP, donc on le garde. D'accord, ok. Ouais. Bon, si c'est bon, tu peux tout de suite repasser en nav et c'est gardé en mémoire. Les conseils, et tu mets le master arm, on dit tout de suite en position on. C'est comme ça, le premier passage, tu vas faire une approche parfaite. Et tu vas tirer, tu vas faire putain, ça largue pas. Et tu vas regarder, tu vas faire, et ouais, le master arm, je l'ai dans le cul. Ouais, c'est bon. Ouais. Et pour le F-18, moi je suis un CCIP. Il y a d'autres possibilités, je clique sur mode pour changer. Tout à fait. Mais je te déconseille de changer le CCRP et merdique. Ben, de toute façon, je suis qu'un CCIP. Alors, je vois pas de possibilité de changer un CCRP. Parce que c'est dans quand je clique sur mode, il me met auto. Oui, mais c'est ça. Auto, c'est CCRP. C'est l'équivalent du CCRP de la marine. Ah ouais, mais pourtant dans le programme qui m'affiche, tu es en mode CCIP, quantité 1, etc. Oui, parce qu'il faut que tu ailles sur la droite, que tu ailles dans le truc qui s'appelle UFC, colonne de droite. Ah d'accord, ok. Et Nico, la première cible est sur le waypoint 1, c'est bien ça? Non. Non, c'est un convoi. D'accord, ok. Si vous auriez lu le briefing, ça c'est pour faire mon chieur. Il y a un briefing. Voilà. Si vous aviez lu, moi je vais faire mon chieur orthographique. Vas-y, tu peux. Enfin, grammatical, d'ailleurs. En fait, il y a deux convois qui ont débarqué au niveau de Sowar, donc le waypoint 1, et qui se dirigent en fait au niveau du waypoint 3 en passant par la route. D'accord, ok. Voilà. Les modes du HSD, c'est quoi AWLS? C'est l'ILS. C'est Ah ok. All Weather Landing. Ouais. Donc par défaut, vous êtes quoi? Vous êtes en waypoint? Ouais. Mmh. Moi, je suis en waypoint. Ouais. Mmh. Ok. Ah oui, 60 bornes encore quand même. Alors, si vous voulez retirer la carte, parce que c'est pas forcément super lisible. Ouais, la carte, on voit pas ça, bien. C'est bon. Alors, c'est bon, c'est enlevé. Vous allez sur la colonne de gauche où c'est marqué Map M, bouton du milieu. Et après, vous allez sur la colonne de droite où c'est marqué Map. Attention, c'est rapide. Hein. Au bout de quelques secondes d'inactivité, ça repasse en mode classique. Alors, de Flappy pour Nico, est-ce que tu peux me rappeler comment. Enfin, je sais pas le faire en fait, comment on bascule le TDC sur le Waypoint 1, ça j'ai toujours pas compris. Alors, quand tu es en mode Airground. Non, le DMT. Ouais. T'es en mode Airground, tu fais DESG dans le truc où il y a la boussole. Ouais. Là, il m'affiche un truc. Et là, ce que je vois tout de suite, c'est ça? C'est ça. C'est. Non, d'accord. T'as ton DMT qui part sur le waypoint. Ok, et comment je fais pour dire au targeting pod de se mettre là? Je peux pas? Tu peux pas. D'accord. C'est le problème, c'est que pour l'instant tu peux pas servir le TGP ou DMT, c'est le DMT qui est de base à servir au TGP, c'est un peu merde. Je pense que ça va être revu, hein, parce que. Bon, par contre, ça permet quand même de situer l'objectif au sol. Oui. Ça c'est bien pratique, ouais. Effectivement. Merci. En fait, c'est ça qui me manquait. Récapépète, je suis encore passé l'écran de gauche sur DMT, moi. Alors, moi je te conseille l'écran droit DMT et l'écran gauche pour faire autre chose. Après, tu fais comme tu veux selon. Attends, faut que je repasse mon HSD alors sur la gauche. HSD, hop, ok. Donc, l'écran droite.
T'as la... En DMT. Voilà. Ouais. T'as la boussole sur l'écran de gauche. Ouais. Tu appuies sur D, E, S, G. Tout, colonne sur la gauche. Sur la gauche. Ouais. Et en fait, ça asservit ton DMT au weapon. D'accord. Ça veut dire quoi, DEG? Désigne, je pense. Ah oui, ok, désignette, d'accord, ok. Ouais, je te laisse le faire là, avec l'accent anglais. Designate. Ok, et ça du coup, je choisis le waypoint et il change alors... C'est ça, c'est ça. Alors en fait, cool. Après tu peux changer le waypoint et tu refais il faut refaire. D'accord, ça, il faut refaire désigner. Okay. J'ai changé le waypoint mais ça marche plus. Il m'indique toujours le premier. C'est normal? Non. J'ai mis waypoint 2, je suis sur la carte, je fais desg. Là il reste sur place. Ouais. Donc je vais sur le T-Pod, je le remets, je vire le standby, je fais un DMT gauche, je revois la carte, oui, je appuie sur Sday. Parce que ton T-Pod est toujours au même endroit. On regarde toujours là l'endroit où t'as regardé. Ouais, et... ouais, mais le DMT me faisait le même coup. Mais a priori là ça a peut-être marché, je sais pas, je vais voir. Et du coup, de base il a servi ton DMT. Pour Dusty et Stumpf, vous inquiétez pas, c'est le niveau 2 ou le niveau 3. Il faut déjà arriver au niveau 0, puis on verra. Bah, niveau 0, c'est déjà arrivé à décoller. En plus, arriver à décoller. Ouais, c'est ça a pris déjà du temps. Mais... Ouais, non, je l'affiche toujours sur le waypoint. Ah, mais c'est pas grave, je pense avoir trouvé la route, c'est une très grosse route. Oui, c'est un okay, truc ça marche. De mémoire, c'est une grosse autoroute à 6 voies. Enfin, après, fais la piste si tu veux voir les waypoints, tu vas sur map de mémoire et tu sur la gauche tu as SEQ et ouais, ça va t'afficher tous les waypoints. Donc là, on doit intercepter des convois, c'est ça? Tout à fait. Et on peut bouger le DMT du coup? Oui. Comment tu fais? Alors, avec le sensor select, tu prends DMT, tu fais DMT. Ouais, mais alors, attends, là, t'as dit un truc déjà qui n'allait pas, c'est qu'il n'est pas configuré. Ah, mais je me doute, c'est pour ça que je repartais de la base. Alors, OTAS, sensor select. C'est comme sur le F18, c'est le bouton en haut du stick. Sur le vrai. Très bonne question. Moi, sur le Warthog, j'ai mis sur le bouton en dessous le trim, le truc noir. Bon, je vais mettre sur le TMS, oui, allez. Comme sur le F18. Ouais, après hein, clairement, Harry et F18, regardez les mêmes configs, hein, c'est quasiment la même chose. Ah, sauf que là, il faut un bouton sur lequel tu puisses appuyer, donc ça va pas. Ouais, mais en fait, le bouton sur lequel tu vas devoir appuyer, entre guillemets, tu l'utilises quasiment jamais. Ok. Papa Gaff, tu vois des cibles ou pas là? Je vois que tu longes la route. Je vois rien du tout. Alors moi sur mon plan de vol, j'ai une espèce de biquette là. C'est là dans la biquette que se trouvent les cibles. Une biquette. Ben oui, ça me fait une espèce de virage en U. Ça me fait un U quoi. Enfin, sur le plan de vol. C'est normal ça ce U En gros, côté du premier waypoint, il y a une ville qui est assez petite, très urbanisée mais assez petite. Et il y a une grosse route qui l'allonge, qui serpente à côté, tu vois. Il y a un nuage actuellement au-dessus de la ville. Ouais, des nuages, il y en a partout, mon petit. J'en vois partout des nuages. Bon, tu m'as dit entre le 1 et le 3. Alors c'est très précis ça. J'arrive au waypoint 2 et je vois rien, j'ai toujours rien vu. Alors après il me reste du 2 au 3, c'est là où je vais peut-être trouver quelque chose. Ah, ouais, pareil. Poser quelqu'un. Alors ok, j'ai assigné mon stick comme il fallait. C'est quel sens du coup pour le DMT alors? Je sais pas parce que moi je suis complètement foiré dans le truc. C'est le A de mémoire, c'est l'afterward. Pour DMT, c'est aft, donc c'est vers l'arrière. Ouais, okay. Ouais, tu vois, moi ça je l'ai mis vers l'avant. Ouais, ok, j'ai fait une fois vers l'arrière, et alors?
Alors, du coup, sur ton écran droit, donc tu fais, et après tu déplaces ton DMT Il faut peut-être que j'enlève le designate, non? non. Avec les trucs D'accord. qui s'appellent TDC, forward, left, machin. Oh putain, j'ai fait un truc qui m'a tout bazardé là. La pioche balance des fiers au cas où je suis un peu bas. Ok, bon j'arrive sur waypoint 1. Je trouve la Quand t'as route. dit qu'il t'avait Bon, moi j'ai vu la bazardé. route, je la suis. Et puis J'ai un écran je noir vais avec bien une croix au voir. milieu, c'est normal? Oui, en La fait, croix, ouais. c'est ton DMT qui est en mode recherche laser dans ces cas-là. J'ai rien demandé moi. Ok, je bascule sur le 2. Tu refais, sinon tu refais un coup vers l'arrière. DMT gauche. Ok. Bon. Break à gauche. Je pars sur le 2. J'irai suivre la route. Alors, les convois partent du waypoint 1. Mais il se dirige vers le 2 puis le 3. Donc surtout, à partir du moment où vous arrivez à gérer la caméra pour vous mettre sur le waypoint 1 et suivre la route vers le waypoint 2. Tiens, quelqu'un qui fait le mariole à côté de moi. Il faut passer en flip parce que vous verrez bien. Ouais, mais nous on est au DMT en fait, on roule au Ah merde, patrouille. pardon, j'ai des conneries. Oui, pardon. Et en principe, ils partent, ça démarre les convois dès l'instant où on Non. lance le jeu. Non, on a le temps d'arriver quoi pour les voir partir. Oui, en fait, c'est à partir de mémoire, c'est à partir du moment où tu passes, un premier chasseur passe les montagnes, un premier avion passe les montagnes. Qui spawn. Comment je sors de mon truc laser là? Sinon tu fais un truc vers le FLIR, je crois que c'est vers la droite, ça doit être. Vous faites gaffe, j'ai du F5 au RWR. F5 iranien. Ouais, je suis passé en FLIR. Et tu refais Tu un tiens. et tu refais un trou un Ouais, truc vers le. c'est bon, je vois quelque chose qui tire en bas. Il me À mon avis, c'est repasse ça, c'est ça. en il me Ouais, repasse c'est bon. avec la croix. J'ai le convoi là. Il me repasse dans le même mode où j'étais avant. La personne qui a vu le convoi. Ouais, a priori, moi je l'ai vu. J'ai vu que ça tirait, donc Et ça ça tire. tire quoi? Du missile, du canon? Non, du canon. Ouais, c'est bon, j'ai le Oh convoi. putain, J'ai le je viens convoi. de voir un truc devant moi là. Enfin, ça va être chaud. Moi je reviens vers le waypoint 1, voir, j'étais au 2. Je balance un flare. Non, je suis pas en mode LST, hein, je suis toujours en mode INS, c'est marqué, mais j'ai toujours la croix au milieu. Ok, j'ai pas vu ton flair. Ça y est, je suis en train de plonger sur le convoi. Et Largué. t'as une image au niveau du DMT Une ou croix au pas? milieu. Ah non, j'ai rien. J'ai T'as que une d'un croix, écran noir avec une croix au milieu. t'as une croix qui balaye. Non, même pas. Impact. Mais je suis pas sûr d'avoir eu quelque chose. Non, Ok. juste une petite croix au milieu. C'est Déjà, quoi si cette on ligne? voit de la fumée, c'est près de la ville ou c'est beaucoup plus loin à la sortie? Je suis à côté d'une petite bourgade un peu en triangle. Après, non, t'en as pas besoin, t'embête pas trop avec ça pour l'instant de si. Mais normalement, si tu refais Ah ouais, je vois la bourgade. un coup vers le. Un Un triangle. coup de DMT, ça devrait. Ça devrait Je suis en train de tourner pour me faire un passage. Non, il veut pas. Pour faire un passage sud nord. Ou Ouais. alors c'est que t'es pas en face de ce que tu regardes. Hein. Ils sont éparpillés là. Hein. Bon, c'est bien la grande route qu'il y en a, pas 36 de toute Bah de toute façon. façon, Flappy, tu vas voir, il y a la fumée hein, où ils sont. Donc t'as.
T'as un truc pour recaler le DMT dans l'axe? Non. Je vais refaire un passage est-ouest. Mais sinon, regarde sur ta c'est carte. C'est libre ou pas? Ou quelqu'un fait un passage? Sur ta carte, ça correspond à un carré. Ah les gars, c'est libre ouais, ou pas? Vas-y, tu peux y aller. Ouais. Oui, vas-y. Ok, je fais un passage est-ouest. Alors, si ce que tu fais, c'est que tu te mets en mode FLIR vers la droite, c'est une image ouais. Infrarouge, et tu fais un TDC Dawn, action position. Et ça, ça lock, ça met ton DMT sur ton vecteur vitesse. Merde. C'est passé là. Ah, maintenant j'ai. Ah, le con. Ah, oui, ok. Alors, c'est revenu en TV maintenant, chic. Ok, maintenant je peux refaire des vignettes. Ok. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais. Ouais, non, parfois il y a des réactions un peu space. Ah, si, l'axe des Y du DMT il est inversé. Oh là là. Putain de merde. Pardon. Ok, moi je viens de larguer mes bidons. Je largue, je dégage, break 3. Je vois ouais, l'autoroute, je vois des véhicules dessus, là, civils. Ouais, ok, je vois les flares, je vois les tirs. Il y a la traçante. Vous êtes où, pardon? Celui-là va vers le nord du Waypoint 1. Il y a du monde. Il m'a refait la même chose, c'est chiant ça. Non mais je crois que c'est quand t'es plus aligné par rapport à ce que regarde ton DMT. C'est comment qu'on voit les scores, voir si j'ai touché quelque chose, je sais pas. Pourcentage. Pourcentage. Ok, je suis un passage. Ouais, j'ai eu deux cibles au sol. Ok, j'ai largué mes 4 bombes. Et comment vous avez arrivé à repérer des trucs alors du coup là? Ça fume. Ça fume. Il y a là, ça... qui sait. Ouais. J'ai tout lâché là. Ça crame bien là. J'ai rien compris moi. Pardon, j'ai pas compris. Je viens de prendre un missile. Moi. Merde. C'est quoi Flappy? J'ai pas entendu, je suis désolé. Non, je me demandais comment t'avais repéré les cibles. Bah, j'ai vu un moment, il y a un avion qui a dû passer, j'ai vu un tir canon. Et c'est ça qui m'a permis de voir le convoi. Ouais, faites gaffe, hein, moi j'ai des F5 ou RWR. Ok, il doit être derrière moi alors j'imagine. Mais T'es encore intact, Dusty? On a des visiteurs protégés, oui, j'ai plus de moteur. Ah merde. Et sinon, on retente un redémarrage. Ouais, j'ai un F5 qui me tourne autour, j'aime pas trop. Tu m'en manques beaucoup là. J'ai trouvé le second convoi, je pense, parce que lui il est intact, il se déplace. Je vais l'arrêter. J'ai deux F5 au cul, les gars. Il a tiré un missile, Strela, sur quelqu'un. Flair. C'est bon, a priori c'est bon. Vous êtes deux au-dessus, attention. Ah, effectivement, j'ai un F5 qui vient de me passer au-dessus là. Ah merde. Eh les gars, les F-18 là, c'est maintenant. Bah y'a un F-18 en fait. Fais gaffe, c'est quand tu veux. Deuxième Strela tiré, attention. Flair. Je décroche. C'est moi, je crois. C'est bon, je pense que c'est bon. Ah ouais. Alors attention. De troisième flair, il est bon celui-là, flair encore. Emergency. Bon. Mes commandes ne répondent plus, c'est normal. Il y a un mode backup pour le stick. Très bonne question. Il reste de la cible. Le convoi au-dessus duquel on est, oui, il est pas arrêté lui. Et oui, il y a 7 véhicules, dont un Strela qui arrête pas de tirer. T'es derrière moi, Flappy, d'accord. Ouais, je monte assez haut, je monte à 20 000 pour pas me faire tirer dessus, mais je crois que ça peut être assez rapide. Il est où le manivelle de liberté là? Il y a toujours F5 derrière là. Tu cherches quoi, Dusty? Le mode manuel, parce que mon stick bouge mais mes gouvernes ne bougent plus, donc il a dû me shooter un truc. Genre les commandes de vol. Il y a moyen de passer en manuel.
C'est pas du tout. Très bonne question. C'est parce que mes moteurs sont arrêtés que j'ai plus d'hydraulique, un truc comme ça. Regarde, l'hydraulique, c'est sur la droite, je crois. Merde. C'est alors, ils sont allumés, id 1, id 2. Et regarde... C'est le petit mano à côté des indicateurs, là. Je fais un passage au-dessus, t'as un truc. Je fais un passage canon, les gars. Id. Id 1, id 2, moi je suis à 300. Okay, j'ai lâché une bombe, je vise le Strela. Où ça c'est où ça? Passage canon au sud-nord. Nord-sud, pardon. Ouais. Ah oui, je suis à 0 moi. Oui, je suis à 0 là. Ah ben ça y est. Il n'y a pas de mode secours. Je me fais tirer dessus. Ah oh, ben ça y est, je suis touché, les gars. Je t'avoue que là on n'en sait rien. Moi j'ai là quand on est dans ta situation, on fait bon. On va larguer les. Je dégage. Bah écoute, merde. Il a eu l'avantage de faire un palier, donc ça plane pas trop mal. J'ai perdu mon arrêt. C'est mort. Bon, Flappy, ma bombe a fait balistique à part. Hein. Ça frise pour vous? Donc, j'ai un F5 juste derrière moi, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il m'a fumé cet enfoiré. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Mais pourquoi t'as mis des F5 sur cette mission, Nico? La dernière fois, on l'avait emmerde à chaque fois. Bah, normalement, avec les normalement, on est censé les abattre en araignée, mais c'est vrai que je pensais pas que. Bah, faut les voir déjà, mais. Et la dernière fois, il y avait Partisan et moi qui étions en. Enfin, moi j'étais en. Ah merde, j'étais. Et Partisan était en. En 2000. Ouais, bah c'est. Moi ouais, c'est frisé chez moi, je peux plus rien faire. Si je vais dans le MFD en mode emergency, il y a bien un truc qui s'appelle flight control, mais ça fait rien. C'est moche. Bon, et bien moi je suis au bout du parachute, et les gars. J'étais abattu, alors je pense pas que ce soit par les blindés parce que je les vois pas. Mais je crois que c'est le F5 qui m'a abattu. Bon, et bien voilà. Hein. Alors je vais reprendre mon appareil. Je vais mettre du. Je regarde dans les logs, mais je vois pas. Du RR, je vais essayer de repartir en RR. C'est un F5 qui t'a eu. Ok, non, comment. Vous voyez encore, les gars, ou plus du tout? Parce que là, je suis en freeze. Moi, je te voyais bizarre en freeze, ouais. Ah, bah, je crois que je vais. Je fais déco, quoi. Flappy, je te vois en train de te téléporter en vegan, c'est normal? Non, je suis au vegan, mais je suis au sol normal. Et il y a Dusty qui a disparu aussi de la map, je crois. Alors t'es en train de faire des rebonds très rapides sur le sol. Ah. Là je crois que c'est mort là. C'est mort de Dusty qui part en couille, ouais. Bah DCS, ouais. Bon, alors... Moi j'ai quitté DCS parce que c'était mort. Ah bah ben, moi, ça, pour l'instant, ça marche bien. Je suis dans mon avion. Je vois que t'as un F5 au cul. Ah ouais, je sais. Depuis tout à l'heure, on fait joujou. J'ai mes petits AIM-9 qui l'attendent s'ils me passent devant. Qu'est-ce qui sert là déjà? C'est moi? C'est Dusty? C'est Dusty. C'est toi? Dusty. Non, c'est, moi c'est toi. Ah oui, non, puisque Dusty ça buguait. Oui, donc c'est pas Dusty qui déconne, c'est mon serveur. Ouais, effectivement, j'ai des gros lags aussi. Mais sinon, Flappy, là je te donne. Ouais, c'est juste, il y a juste une valeur à modifier en fait pour éviter de pas avoir de mémoire de FC d'avion. De mémoire d'avion, c'est-à-dire. Enfin, pour pas qu'on ait des petits chasseurs en face. Ah oui, je viens de friser aussi. Là. C'est-à-dire, j'édite la mission ou. Ouais. D'accord, oui, y a pas une commande à lancer. Putain, on m'a eu. En fait, faudrait qu'on se rajoute ça, une commande pour virer tous les chasseurs ennemis quand ils nous font chier dans nos missions. Ouais, du coup, je quitte le serveur.